Il n'y a pas que les Alpes pour faire du ski. Au cœur des monts du Jura, les skieurs sont nombreux et heureux. Avec ce beau temps, c'est agréable. La neige qui est pas trop mal. Pas trop de soupe, ça va pour le moment. Ça se passe bien, les stations sont bien. C'est vraiment, c'est un peu rempli. Effectivement, les LEC s'affichent en février un taux de remplissage de plus de 95%. La clientèle vient du nord de la France en vacances et des départements voisins à la journée. Les pistes sont agréables, il fait toujours beau et puis c'est vrai qu'il y a suffisamment de pistes pour se faire plaisir à côté de la maison pour la journée, donc c'est nickel. J'aime bien les grandes descentes. Par contre, j'aime pas trop quand je tombe. Nous sommes à l'intérieur du télécombi des Bergers, le dernier investissement en date de la station. Il permet de rejoindre Crozet à la station de l'Elex en moins de 3 minutes. Un investissement onéreux, plus de 8 millions d'euros, mais nécessaire. Il faut investir parce que sinon, une station où il n'y a que des appareils vieillissants, il n'y a plus un attrait de la clientèle. Cet nouvel appareil est placé versant Crozet où on a toute notre clientèle qui vient à la journée. Et puis en plus, c'est un appareil qui est ouvert aussi aux piétons. Il y a un petit sentier raquette qui a été adapté pour rejoindre les autres sentiers de raquette. Les conditions de temps et de neige sont idéales pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et elles devraient rester toute la semaine.